Yo tout le monde, c'est Ozaru. On se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo sur Fusion Planète. Mais cette fois-là, j'ai pas trop envie de faire de tuto, du coup, j'ai trouvé ce que je veux pêcher. Je l'ai jamais pêché, je l'ai juste pêché au lac Lonestar. C'est le poisson-chat de la rivière Mudwater. Alors, je ne le connais pas. Je sais comment le prendre, bien sûr, donc c'est celui-là. Donc, petite tranche de poisson, je les prends toujours là. Voilà, donc je pêchais gros, je vais vraiment pêcher un gros. Voilà. Donc, dans l'inventaire, ce qu'il va vous falloir, c'est un hameçon taille 1 pour moi. Parce que j'ai vraiment envie d'en prendre un gros. Les grosses tranches de poisson, je les ai pas. Ensuite, il me semble que c'est au Missouri, le poisson-chat. Du coup, licence, on va aller dans Missouri. Ah ouais, la licence étendue du Missouri, elle est chère, limitée là, ouais. Donc on prend celle du jour. Ensuite, j'espère que j'ai tout. Voyons voir, trapu. Hop. Est-ce que celui-là, il serait pas plus gros? Wow, qu'est-ce que ça m'a fait là? Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc go, on y va. La rivière Mid. Water. Alors voilà. Donc merci pour déjà merci, vous étiez nombreux au live. Si je me trompe pas, on était 27. Donc voilà, donc c'est plus que mes abonnés. Donc quand j'ai fait le live, j'étais à 21 abonnés. Aujourd'hui, on est le vendredi 22 septembre et je suis à 25 abonnés. Ça fait une semaine bientôt que j'ai fait mon live et les abonnés sont très nombreux. Alors, repère des silures, paradis du poisson-chat. Pas mal. Je crois que je sais où est-ce que je vais aller. Hein. Ok, donc le poisson-chat, déjà je sais qu'il faut le prendre en profondeur. Du coup, je pense que je vais le prendre à 236. Alors, on attend bientôt que le chargement soit terminé. Oh, il y a du monde ici. Ok, donc on va se mettre là. Non, déjà, je veux pas ça. Je veux ma canne Omniflotte 450. Donc, je la conseille. Bon, elle est chère, mais je la conseille vraiment. Alors, on va aller jusqu'à 236. Hop, 236. Je crois que j'ai tout. Et on y va. On va tirer près des roseaux là-bas. Donc, je pêche avec du fluorocarbone, mais je pense que vu qu'il dépasse pas les 5 kilos. S'il dépasse justement, je crois, les 5 kilos, mais vous pouvez pêcher à la tresse. Du coup, je vais mettre vitesse pour mouliner à 3. Et maintenant, il suffit juste de patienter. Donc, vu que les vidéos Fishing Planet sont assez courtes, hein, ne dépassent pas les 30 minutes, je ne vais pas faire d'ellipse. Parce que. Attendez, ça a l'air de bouger. Je ne vais pas faire d'ellipse parce que je trouve que ça sert un peu à rien. Hop, on va attendre un petit peu. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais les vidéos sont courtes. Peut-être que j'en ferai une dans cette vidéo-là, ça se trouve, mais si vraiment je vois que c'est beaucoup trop long. Ok, hop. Comme on peut voir, il y a le bouchon qui commence un peu à s'exciter. Si vous regardez en haut à droite. Ouais, là il bouge là. Oh, vous avez vu le saut près de mon bouchon devant. Ouais, bah c'est long là. C'est plutôt long. Bon, du coup, je vais commencer par là. Tilo tiré du bas 1P m'avait dit pendant mon live sur GTA 5, donc je sais pas si vous étiez tous là, de faire un live sur Rocket League. Donc là, je suis à 25 abonnés. Plus que 5 abonnés, je fais un live. Donc j'ai tellement aimé l'expérience du live que j'en fais un tous les 10 abonnés. Donc d'un live d'à peu près 1 heure, voire 1h20 grand max. Voilà. Ce que je vais faire, les gens, c'est que je vais changer juste un petit truc. Donc là, je vais retirer la canne. Ça se trouve, ça va me faire, vous avez ferré trop tôt. Et je vais faire une toute petite hélice, mais vraiment toute petite. Hop, c'est juste pour régler 3-4 trucs.
On va régler l'heure et tout ça, et puis ça serait trop long. Allez, à tout de suite. Re tout le monde. Donc la seule chose que je vais faire, c'est que bah, j'ai regardé à l'heure où vous pouvez prendre le plus de poissons, c'est à 14h jusqu'à... Non, de 13h jusqu'à 16h, mais je vais aller à 13h. Donc, let's go. Parfait, déjà, je vois un peu mieux. Donc, je vais tirer tout là-bas. Donc, le but là, c'est vraiment que je prenne... Oh, je me suis trompé de touche. C'est vraiment que je prenne un gros poisson chat. Donc, je sais pas s'ils sont tachetés, celui-là. Je sais qu'au Texas, ils sont tachetés, mais ceux-là... J'en sais rien, ils ont un prénom en anglais, du coup... Je suis pas amusé à faire la traduction. Voilà. Donc, je redis, je pêche avec 236 de profondeur. Super, il fait comme tout à l'heure, il s'excite un peu. Mais pas beaucoup. Ouais, là je vais pas tarder à avoir une touche. Et voilà, bingo. Donc normalement c'est un poisson chat. Voilà. Oui, aussi, la dernière fois, j'étais sur YouTube et je tapais Fishing Planet comme ça et j'ai vu qu'on pouvait pêcher des crappets harlequins uniques au Missouri. Du coup, il y a des possibilités que la prochaine vidéo, ça soit sur ce poisson-là. Donc, je vous ferai une petite vidéo comment le pêcher. Bon, je suivrai pas les mêmes choses qu'ils ont dit les autres. Voilà, donc. Il est plutôt résistant, hein. J'ai du fluorocarbone. Hein. J'ai du fluorocarbone et je galère. Un petit tour refait, ça sera parfait, ça. Ça sera la miniature de la vidéo. Hop. Allez. Et je galère. Le plus gros poisson chat que j'ai pris, bah, j'avais cassé. C'était là où on pêche les carpes communes. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo, un tuto pour pêcher les carpes communes. Et sérieux, il se débat super bien. Je crois que c'est la première vidéo que je fais sur Fishing Planet où j'ai un poisson qui se débat. Ah, par le buffalo. Ah ouais, d'ailleurs, cette vidéo-là, elle a atteint les 232 vues. Chaque jour, elle est vue. C'est énorme. Elle est au moins vue 10 fois par jour. En début de semaine, elle était à 110, là elle est à 200. C'est trop bien. En train de le ramener. Oh, il est gros! Eh les amis, il est énorme! Waouh! Eh, je l'ai juste vu sauter. C'était trop épique. Oh, poisson castor! C'est même pas ce que je voulais pêcher! Waouh! Poisson castor! Waouh! Ouais, c'est énorme! C'est juste trop classe! Re les amis! Ouais, donc excusez-moi, il y a eu un petit bug dans la vidéo. Mais bon, rien de méchant. On continue. Donc, petit poisson castor. Intéressant. Je pensais pas tomber dessus. J'avais complètement oublié son existence en plus. J'en ai jamais pris. Mais c'est un beau poisson. Donc, attendez. Je vais juste faire un truc au micro. Excusez-moi si vous entendez du bruit. Voilà. Vous voyez le bouchon là? Donc cette vidéo là, c'est pas un tuto, hein, c'est ouais, c'est pas un tuto, c'est juste que je voulais découvrir ce poisson là avec vous. Mais il y a quand même des possibilités que je trouve un moyen. Donc là, je vais pêcher pendant beaucoup d'heures le poisson chat. Donc je vais tester plusieurs appâts pour voir comment pêcher un poisson chat trophée et je ferai une petite vidéo comme que j'ai fait pour la truite. La truite, j'ai mis du temps pour voir comment prendre des trophées. Ça marche pas à tous les coups, ça c'est sûr. C'est comme le crappeur harlequin, et j'ai vu que
J'ai vu une vidéo, le crappeur requin unique. Il y a un gars qui a mis, qui a fait à peu près une trentaine de crappés avant de tomber sur un unique. Du coup, je voudrais bien le faire du premier coup, moi. C'est long là. Suffit juste de te demander. Et ça y est. J'espère pas retomber sur un poisson castor parce que c'est bien, mais c'est pas ce que je cherche. C'est vraiment pas du tout ce que je cherche. Et mais. Ouais, j'aime pas faire ça, mais là je l'ai fait. Ouais, non. Ouais, poisson chat. Ouais, il est petit. Ah, c'est un poisson chat tacheté. Je vais le garder. Poisson chat tacheté, mais. C'est ça, moi, que je veux. Attendez, il y a. Ce que j'ai pris, moi, là, c'est. C'est ça. Et ça, c'est quoi? On le pêche pareil, en fait. Et moi, là, ce que j'ai pêché, c'est ça. Bonne fine. Ok, poisson castor, quoi. Voilà, donc là, regardez, trophée est unique. Mais moi, c'est ça que j'ai pêché. Bon, bah, je vais essayer de viser au moins 5 kilos. Pourquoi pas? Donc, là, les amis, on est à 25 abonnés à l'heure que je vous parle. Donc là, ça se trouve, j'en ai gagné un, mais... Aux 30 abonnés, j'ai fait un live sur Rocket League. Donc, si vous avez un PSN, bah, donnez-le moi. Et... On se fait une petite partie Rocket League pendant le live. Ou vous me suivez directement comme vous avez fait pour GTA 5 Online. Vous pouvez me suivre sur la PS4 ou sur YouTube. De toute façon, je recevrai quand même vos messages. Bien sûr, comme ce que j'ai fait pour les 20 abonnés, je vous ferai une petite vidéo spécialement bah, pour ça. Donc voilà. Pas d'inquiétude. Vous aurez l'heure. Je ne ferai pas ça comme ça à l'aveuglette. Donc là, ce que je vais faire, c'est juste que je vais retendre le fil parce que j'aime pas trop quand il est dans tous les sens. Oh la vache, il y a deux gens qui ont pris des trophées en même temps. Il y en a un qui a pris un brochet vermiculé, petit par contre. Et un autre qui a pris un Ashigan à grande bouche de 2 kilos. Vraiment pas mal. Ok, là il n'y a pas vraiment de d'action sur le bouchon. Pourtant je suis en plein dans le pic là. Ah, j'ai une touche. Ouais, c'est ça. Maintenant. Ouais, si ça continue à faire ça, c'est pas extrêmement gros là. Je crois que ça fouille plutôt. Donc, c'est ça aussi que je voulais dire. Il y a un abonné ce matin qui m'a envoyé un message sur la PS4. Salut. Je veux pas dire vraiment dire ce qu'il a dit. Salut, je suis nouveau à Rocket League. Tu pourrais faire une vidéo pour. Oh, attendez. Pour nous expliquer bah, comment bien débuter. Donc, je vais faire ça, mais pas tout de suite. Donc, excuse-moi, l'abonné. Qui m'a envoyé ça. Je le ferai peut-être la 3... peut-être à la cinquième vidéo de Fishing Planet, mais pas tout de suite parce que j'ai déjà plusieurs projets. Oh là, c'est pas mal. Par contre, je suis en train de détruire mon fil et ma canne. Ah, je sais pas, là, je crois que c'est encore un poisson castor. C'est ça, c'est un castor encore. En fait, ma technique, je prends plus des castors que des chats. Alors... Comment je vais faire? C'est beau, sérieux, le poisson castor, j'aime beaucoup. Mais c'est pas ce que je veux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment prendre du chat, moi. Non, dégage-toi. Je suis pas ça, moi. Mais pourquoi vous me mettez là? Voilà. Je vais essayer avec un hashtag 2, mais. Un taille 2, mais fou. Je vais essayer, let's go.
Je vais essayer pas loin du tout. Je vais essayer ici. Parce que si les castors sont tous au fond, la plupart du temps les chats ils sont en bord du coup. Faut dire quand même, on a quand même une profondeur élevée. Attendez, je vais essayer avec 72, tiens. Je prends un nombre au pif. On va tirer à 11 mètres comme pour le poisson que j'avais pris dans ma vidéo, la pêche à la truite. 11 mètres, ça doit être par là. Hop là. Ouais, voilà, bingo. Y a quelqu'un qui vient de prendre un crapet là. Pile à l'endroit que je tire, c'est pas rassurant. Ouais, là c'est plutôt long. Du coup, je pense que je vais faire une petite ellipse jusqu'à retrouver la touche. Du coup, bah les gens, je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Donc, la profondeur à 72, sérieusement, ça marche pas du tout. Alors, ça fait à peu près une vingtaine de minutes que j'essaye de faire la technique. Du 72 à 11 mètres, ça marche pas. Voilà, donc aucune touche que dalle. Donc là, je suis parti. Ah, ouais, j'ai toujours l'hameçon de taille 2 par contre. Oups, je vais retirer ça tout de suite. Ah, vous avez fait un trop tôt, super. Pas grave. Donc, ouais, donc ça marche pas du tout. Donc, essayez pas avec 72. Enfin, après, peut-être que ça marche, mais moi, c'était un échec total, perso. Alors, on va reprendre. Oups. Un hameçon de taille 1. Hein. C'est bon. J'ai juste envie de regarder quelque chose. L'heure préférée. Oh. Crustacés et crevisses. Attendez les gens, vu que là c'est une pêche que je veux juste pêcher le poisson-chat. J'ai envie de le prendre. J'ai des crustacés, moi. Hop là. Non. Attendez, genre, je vais essayer ça. Je pense pas que ça marche à 100% parce que. Perso. Faut que j'aille devant là. Ouais. Donc, je suis là. Oh, parfait. Il y a un petit chemin là. Oh oui. Ah bah, lui aussi, il est là. Donc, j'aurais pas trop le déranger. On va tirer là au pif. Hein. Hop. C'est trop, je vais prendre un brochet. Voilà, j'ai quelque chose. Waouh. Ça va faire un truc chelou là. Et je crois que j'ai un poisson chat. Ah non, non, je crois pas. Non. Ashina Shigana grande bouche, bon, on va garder quand même. Oh, j'ai eu un bug là, excusez-moi les gens. Sur le jeu, c'est pas vraiment de ma faute. Ok, parfait, tu te bouges. Bah, je vais prendre ta place, vieux, alors. Je vais essayer après avec. De quoi bien frôler. Hop là, les roseaux. Excusez-moi. Je suis un peu malade en ce moment. Ouais, donc en fait là j'ai encore un jeune Ashigan. Ouais. Hop. Donc je vais garder. Je vais réessayer juste une dernière fois, mais. Non, je trouvais ça trop bizarre parce que j'ai jamais pris un poisson chat au. À ça. What? Ah, raté, hors de l'eau. Ah, c'est nouveau parce qu'il ne mettait pas avant. Ça doit être la mise à jour. Je savais qu'il était sur PC, mais avant il s'en fichait. Allez, vas-y, monte, voilà. Bon, l'heure qui voulait pas monter. Alors, par contre, maintenant, tu vas descendre un petit peu, pas trop.
Hop là, juste à la fin celui-là. Oh la vache, encore un jeune Ashigan. Ouais, donc ça, non. Ouais, donc ça, laisse tomber, c'est pas pour moi. Par contre, ce que je peux faire, c'est ça. Non, pas là. Ici, voilà, c'est mieux. Hop là. Ah oui, par contre, oh la vache. C'est très profond ici, à 15 mètres. Wow, je pensais pas que ça aurait fait ça. Bah, parfait, hein. Donc je suis pas sûr, mais je pense que plus tard. Attendez, je remets juste mon micro. Bon bah, il m'a dit non, parle pas, tu fais rien. Plus tard, il y a des risques que je refasse le tuto la pêche au buffalo, parce que je sais pas si vous l'avez bien compris. Parce que j'ai pas vraiment eu de retour dessus. J'ai eu plus de vues qu'autre chose. Bon après, je pense que si vous avez mal compris, vous me l'aurez dit. Allez. Allez. Dis-moi que t'es pas mal. Et je vais casser ma ligne par contre si je continue à faire ça là. Allez, on va prendre le temps. Et c'est un gros poisson chat acheté. Et voilà. Donc je pense pas que ce soit le plus gros les gens. Mais j'ai pris ce que je voulais prendre. Alors sur ce les gens, je vais dire la même chose que en fin de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à partager si vous le faites. Et à vous abonner. Allez, ciao!